Salut, c'est Papa Gaming. Donc, on continue l'exploration de ma ludothèque Super Famicom pour l'année 94 dans les RPG. Donc, on explore un peu ma collection de façon ordonnée. Bien le bonjour à mes fidèles Biru no Gemu, Munch Munch, Kazuki Eijin, Barbe de Capucin et bienvenue au nouveau. Donc, pour présenter cette année 94, je vais commencer par Fire Emblem. Donc, un jeu que je n'ai qu'en loose. C'est un RPG tactique qui est vraiment très connu, qui a très bien marché puisqu'il a été porté sur multiples supports et a continué à survivre jusqu'à nos jours. Sur la Super Famicom, donc il y a ce premier épisode de 94, Monsho no Nazo. Ensuite, il y en a eu un en 96 et pour finir, en 99 est sorti le Thracia 776. Et en 2000, ils ont sorti une édition collector, l'édition collector la plus massive de la Super Famicom, qui est une boîte énorme, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Bon, c'est un RPG tactique très réputé, avec un personnage charismatique. Maintenant, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai qu'il a l'air sympathique. Et bien sûr, Fire Emblem de Nintendo. Deuxième jeu que je vais présenter, donc c'est Dawn the World. Donc déjà sur la jaquette, on peut reconnaître la patte du dessinateur des jaquettes de Elfaria et des Takashi Meijin. C'est un RPG classique. Donc on voit les personnages qui se trimballent dans un univers vu de trois quarts et les combats sont vus sur un espèce de damier. Donc on pourrait croire qu'il y a une dimension tactique. Voilà, un petit RPG tout mignon. Merde, assez sympathique. Visuellement, ça va. C'est pas... Ça a bien vieilli, je trouve que c'est resté assez mignon. Donc le nom complet, c'est Falling Dawn into the World and Dawn the World Mervid's Ambition. Bien sûr, je ne connais pas trop cet univers. C'est pas un RPG que j'ai fait, mais comme d'habitude, j'adore le design dans la notice de tout ce qui est personnages. Ils sont vraiment très sympathiques. D'ailleurs, notice très détaillée, très bien illustrée. Voilà, on en apprend un peu plus sur l'aspect des combats. Artwork. Voilà, Dawn the World à découvrir. Un jeu très connu de Squaresoft qui a ni plus ni moins que Final Fantasy VI avec la superbe illustration de Yoshitaka Amano. Donc le dernier Final Fantasy à ne pas être sorti directement en Europe, puisqu'on verra que sur la PlayStation, bien sûr, le 7 a tout déclenché. Donc on a une boîte transversale. La notice, je ne me souviens plus quel format elle a. Donc elle a un format de livret et non pas un poster comme d'habitude. Donc les illustrations de Yoshitaka Amano, ouais, ce sont vraiment des dessins superbes, je trouve. Des sortes d'aquarelles, je sais pas trop. Bon, par contre, pas trop d'illustrations dans la notice, si ce n'est les petits personnages habituels. En SD. Voilà, puisqu'à cette époque-là, on va dire que jusqu'au... Je sais plus, parce que moi j'ai pas fait ni le 8 ni le 9, mais en tout cas au moins jusqu'au 7, les personnages étaient SD. Donc bien sûr, ce Final Fantasy est certainement un des RPG les plus beaux et les meilleurs de la machine. Je dis bien un, je pense qu'il rentre facilement dans le top 10. Ensuite, on va faire un tour chez Bandai avec Ayu Taikei Ryu
Aoutaikei Ryu, Knight, Lord of Paladin. Voilà, donc là, c'est un petit RPG très classique, mais avec une superbe illustration sur la boîte. Style manga, vraiment, vraiment très sympathique. Moi, je l'appelle Lord of Paladin. Celui-ci, la carte sur laquelle se déplacent les personnages est quand même assez moche, je dois dire. Pendant les combats, c'est un petit peu plus sympathique, mais les combats sont vus de dos, un peu comme Final Fantasy, mais la carte où se déplacent les personnages est quand même pas très très jolie, quoi. Ils n'ont pas fait trop d'efforts sur les graphismes. Les phases de combat ont l'air sympathiques. Voilà, c'est ce que je retiendrai pour celui-ci. Avec le design de la boîte qui est vraiment très sympa. Très sympa, en tout cas, c'est à mon goût. Kishin Korinden Oni. Pareil, je trouve que la boîte est vraiment sympathique, un jeu de Banpresto. Alors là, la particularité que j'ai retenue pour ce jeu, c'est que les combats se déroulent sur une sorte d'arène, un peu comme une arène de sumo en rond. Un peu comme une arène de sumo en rond, ouais, tout arrondi. C'est un peu étrange, mais bon, ça change. Pareil, là, l'univers du jeu n'est pas très détaillé. Les personnages sont sympas, sont quand même bien faits, mais l'univers en lui-même n'est pas trop trop détaillé. Peut-être ça qui nuit un petit peu au jeu. Après, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait non plus. Vous doutez bien que j'ai pas fait tous mes jeux, quoi. Surtout les RPG qui demandent beaucoup de temps. Et des RPG japonais comme ça, je sais même pas s'ils ont tous été traduits. Je ne sais. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire là, à l'instant T, lesquels de tous ces jeux ont été traduits en français ou au minima en anglais. Étant donné que beaucoup de ces RPG ne sont pas du tout sortis du Japon, difficile de vous dire ce qui a été traduit par des fans ou pas. On va passer à un épisode d'une grande série qui est SD Gundam dans sa version GX. Donc les Gundam, ce sont des robots tirés de la série Gundam Wing. Donc là, sur leur format SD, un petit peu rigolo. Pourquoi GX? Je ne sais pas, mais je peux vous dire que celui-ci, c'est un RPG tactique. Je dirais même que... On peut dire qu'il est tactique, mais je dirais même que c'est un jeu de stratégie, un petit peu, avec le grand damier, une sorte de damier avec des petits hexagones. Je pense que c'est un bon jeu de stratégie. Je crois que c'est un jeu comme ça que Biru no Gemu jouait sur PlayStation 2, il me semble, de cette série-là. C'est vrai que j'aime bien ce genre de jeu. Moi, j'ai pas mal joué en émulateur sur Avanced War par un moment. Bon, c'est pas forcément une référence, c'est-à-dire que le jeu est ultra simplifié. Mais on reste dans ce style de jeu. Je pense qu'il doit être assez fun. Si on arrive à piger tous les menus. En tout cas, jolie jaquette. Le Bandai numéro 16. Et oui, parce que tous les jeux Bandai sont numérotés. Bon courage à celui qui veut faire le full set Bandai. Ensuite, encore un jeu de chez Atlus. On en avait vu quelques-uns. Le dernier jeu chez Atlus, c'était Shin Megami Tensei. Et ben là, ce sera Shin Megami Tensei 2, que je n'ai qu'en loose. Donc, on reste dans la même veine que le 1. Alors, pour l'histoire, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le jeu. Mais en tout cas, c'est la même façon d'explorer l'univers avec à la façon Dungeon Crawler. C'est bon, là, j'ai bon, Birou. Donc, on est bien dans un Dungeon Crawler. Ça, c'est sûr, j'ai bien compris ce style de RPG. Voilà, donc cette série, elle a donné lieu sur PS2, il me semble, sur PS1. Ça a commencé sur PS1, ensuite sur PS2, la série des Persona. Persona 3, Persona machin. Voilà, donc des RPG qui ont surtout proliféré sur la PS2. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'épisodes sur PS2 de cette série.
de Persona ou Shin Megami Tensei. Ensuite, on va passer à un jeu de chez Enix, Soul Blader. Soul Blader, alors honnêtement, cette boîte, je la trouve sympa, mais le côté blanc autour me dérange. Par contre, l'artwork au milieu est vraiment très très joli. Je trouve qu'il est très beau. Je sais pas pourquoi, le blanc de cette boîte ne me plaît pas. D'ailleurs, pour les collectionneurs, vous avez remarqué que le blanc vieillit assez mal dans le temps. Soul Blader, qu'est-ce que c'est ? Au début, je croyais que c'était un jeu qui était relié à ActRaiser. Je ne sais pas pourquoi. En fait, pas du tout. Parce qu'il y a des bruitages qui sont utilisés dans ActRaiser et dans Soul Blader. Il y a des bruitages qui sont vraiment qui sont pas similaires, c'est les mêmes. Alors paraît-il, je ne sais pas parce que j'ai fait aucun de ces trois jeux, même si je les connais. Donc paraît-il que Soul Blader fait partie de la trilogie. Donc Soul Blader, Illusion of Time, Terranigma. Donc je peux pas vous dire est-ce que c'est des éléments de scénario qui ont pu faire penser ça aux fans. Je ne sais pas. Je ne sais même pas si le jeu se joue de la même façon. Toujours est-il que ce jeu, on pourrait vraiment aisément le classer dans les actions RPG. Parce que donc, avec le héros, on attaque vraiment les ennemis, quoi. Ce qui le rend très abordable. D'ailleurs, je trouve que cette catégorie de RPG est vraiment très très abordable. Et même sans forcément connaître le japonais, on peut le faire assez facilement, surtout celui-ci. Je me souviens qu'à l'époque, j'ai des collègues qui l'avaient fait sans vraiment de difficulté. Voilà, un bon petit Soul Blader, vraiment un jeu très sympathique, paraît-il, pas très long en plus, de chez Enix, à l'époque où Enix n'était pas fusionné avec Squaresoft. Ensuite, nous allons passer à Super Robot War X de chez Banpresto. Encore une boîte transversale avec un artwork très sympathique où on voit tous les robots SD qui se foutent sur la tronche. Donc ce jeu, c'est un RPG tactique. Si je dis pas de bêtises, c'est un RPG tactique. Si je dis pas de bêtises. Hein. Donc on voit tous les super-héros SD, donc il y a Goldorak, Gundam et d'autres, des trucs typiquement japonais que je ne les connais pas tous. Oui, c'est bien ça, c'est un RPG tactique. Voilà, pour ceux qui aiment l'univers des super-héros robots SD japonais, un jeu à découvrir. Et pour conclure cette série sur 1994, je vous présente Wonder Project J de chez Enix, toujours de chez Enix. Déjà, la jaquette est vraiment très sympathique. J'adore le design des personnages. C'est peut-être un dessinateur de manga connu, mais là, je vous avouerai que je ne connais pas son nom. Wonder Project J, que dire sur ce jeu ? Alors, il y aurait beaucoup à dire. C'est vraiment un ovni pour moi, parce qu'en fait, j'ai pas exactement tout compris. On dirige une sorte de garçon qui est un robot ou une marionnette, un peu à la Pinocchio. C'est vraiment une... Ça a été repompé sur Pinocchio, on peut dire, et où on doit développer son personnage avec ce fameux écran là. Mais c'est là que j'ai pas tout compris comment ça marche. Il y a différentes couleurs qui arrivent, ça doit booster certaines de ses capacités. Je ne sais pas. Toujours est-il que l'univers en dehors de la gestion du personnage, qui est vraiment très singulière, est vraiment très beau. Ça vraiment très bien, c'est très joli, les graphismes sont vraiment très sympathiques. Après, ils ont voulu innover avec un système de jeu vraiment particulier, mais je me suis pas trop penché sur la question. Ce que je sais, c'est que c'est vraiment un truc original et particulier à ce jeu, quoi.
Donc ça, c'est vraiment une curiosité de chez Enix. Pour ceux qui veulent se pencher sur la question, je pense que ça doit être intéressant. Moi, j'avais craqué sur le jeu pour la boîte, hein, je vous le dis franchement. Et c'est après que j'ai découvert que c'était un jeu de style particulier. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour l'année 1995.